Passe à Erik Karlsson. Lui, quand il y a un peu plus d'espace, il est encore plus dangereux. Et là, il y va d'un tir, ça donne un retour. Et Price fait un bel arrêt sur le tir bas de Oduya. Et qui aura la rondelle en bout de ligne, c'est Paul Byron devant Zach Smith. Et la rondelle libre sera reprise par Fraze, qui passe à Shaw. Shaw, long jeu, tir sur réception. Oh, beau tir de Nicolas Deslauriers. On l'avait vu marquer à quelques reprises de la sorte. Voilà Victor Mété qui reprend. Mété remet à Schlemko. Mauvais jeu. Hoffman, il va d'un tir qui touche le poteau. Non, le tir est le but. Bon, ben là, la rondelle a vraiment touché la tige métallique. Et c'est toute une gaffe là de Schlemko. Oh, ma parole. Pacioretty reçoit la rondelle à la mise en jeu. Petrie à Galchenyuk, à Petrie. En direction de Pacioretty maintenant. Pacioretty à Petrie. Le tir est le but. Jeff Petrie en rajoute. Quelle fin de semaine pour lui. La rondelle revient à Faneuf, mais interception de Lekkonen et son tir est bloqué par Oduya. Voilà Sherbach à Mété, à Sherbach. Sherbach remet à Lekkonen. Le tir est le but. Enfin. Il avait marqué ses deux derniers contre Ottawa. D'atteindre Condon. Et voilà un autre tir de Gallagher. Oh, il y a un retour pour Plekanec. Et le tir est le but! Encore deux buts contre Ottawa. Ça lui en fait quatre. En quatre, en quelque sorte, pour Arturi Lekkonen. Amener les sénateurs plus souvent pour Arturi Lekkonen. Si on voyait Tomáš Plekanec, c'est qu'il atteint un plateau important. Lui qui, depuis des lunes, était en quête d'un 600e point dans l'uniforme du Canadien, va récupérer un retour de lancer. Alimente parfaitement, à la perfection, Arturi Lekkonen, déjà commis à sa gauche. Condon ne peut revenir à temps. Chabot, lui, dans le demi-cercle, ne peut bloquer la tentative d'Arturi Lekkonen. L'avance est maintenant deux buts pour le Canadien. Tomáš Plekanec attend le 600. Receveur ouvert, il n'y en a pas vraiment, mais derrière le filet, il aperçoit Duchesne qui s'amène devant Price. Et Price ferme les deux jambes et garde la rondelle en sa possession. Qui remet la rondelle à Chabot. Il y a Galchenyuk qui a fait une vilaine chute complètement à l'autre bout, à l'autre extrémité. À l'autre extrémité du jeu. Plekanec! Et finalement, quelques secondes encore, le tir de loin. Et la deuxième victoire en 24 heures est confirmée. Le Canadien l'emporte 4-1. Opportunisme également au cours du week-end pour le Canadien. Lorsque les supériorités numériques importantes se sont pointées le nez, le Canadien a performé, a trouvé le fond du filet. Petrie en rajoute. Lekkonen qui débloque, Sherbach qui s'amène et Price qui savoure une victoire à domicile.